Bonjour et bienvenue à vous pour la guidance du mois d'octobre pour les signes des poissons. Signe des poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Donc j'ai procédé donc au tirage avec l'oracle de l'énergie, l'oracle des fées, l'oracle des nombres, le tarot des fées victoriennes que je vous présente. Voilà. Super sympa. Et nous aurons deux petits messages donc du petit oracle de Gaïa. Vous en avez eu deux. Voilà. Ensuite, on ira voir un conseil de l'oracle des portes de l'intuition et un conseil de l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras. Superbe oracle. Voilà. Allez, c'est parti. Les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Aie confiance en toi. N'attends pas l'assentiment des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Oui, la confiance en soi, ben oui, effectivement. Voilà. Oui. On vous invite clairement à ne pas tenir compte de ce que pensent les autres, en gros. Voilà. Exprimez-vous. Aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Aime sans condition. Eh ben, dis donc. C'est chouette. Très beau conseil pour les poissons. Alors, la confiance en soi, bien sûr, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pas que pour les poissons. Mais là, apparemment, c'est un conseil qu'on donne pour ce mois d'octobre. Donc, apparemment, ça doit être important. Donc, ne pas oublier d'avoir confiance en soi, de ne pas trop se soucier de ce que les autres pensent, évidemment. De rester bien centré sur ce qui est juste pour nous, hein, enfin, pour vous. je suis poisson. Donc voilà, de cultiver la sagesse intérieure et d'être serein, surtout avec la vie en fait, hein, d'avoir confiance en la vie aussi, parce que ça aide beaucoup, je trouve. Voilà. Et puis, aime sans condition, apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Tout à fait. C'est parti. Alors, avec l'oracle de l'énergie, on a la carte du magicien et du miroir inversé. Le magicien et le miroir, c'est un petit peu la capacité qu'on a à avoir un pouvoir, de pouvoir transmuter les choses, c'est-à-dire d'accueillir des choses qui pourraient nous paraître négatives et d'en faire une force. Voilà. Donc là, c'est comme si ce mois-ci, on va un petit peu perdre un petit peu ce pouvoir-là. On va se sentir peut-être un petit peu moins connecté. C'est pour ça qu'on nous invite à cultiver notre confiance en nous, parce qu'on risque de la perdre un petit peu. Hein. Voilà, vous risquez de perdre votre confiance en vous. Vous risquez d'être un petit peu... de perdre votre pouvoir hein, quelque part, et ça peut créer de l'instabilité et c'est pas super chouette. Alors on va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle des fées. Alors avec l'oracle des fées, on a l'allure de l'escargot. Ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Donc clairement hein, ça parle d'ancrage. Donc, on nous demande de se poser, d'être dans l'ici et maintenant, de savoir un petit peu où on met les pieds aussi, pour certains, ça peut parler, de ne pas se prendre les pieds dans le tapis, hein, évidemment, mais ça peut aussi d'éviter un petit peu de laisser un petit peu happer par le monde imaginaire et par les angoisses qui peuvent en découler, voilà. Il y a l'idée aussi de revenir un peu sur terre, voilà, de prendre le temps aussi. Il y a une notion de temps, de tranquillité dans cette carte-là. Ouais.
Ah. L'action. Voilà, il est temps de passer à l'action. Donc pour certaines personnes, ici, on vous invite à passer à l'action et peut-être justement à peut-être arrêter d'imaginer hein, les choses et à être un petit peu ramené sur terre, ramené dans le moment présent, dans l'ici et maintenant, pour pouvoir acter les choses. Voilà. Attention donc au manque de... à la perte de contrôle un petit peu, à l'instabilité que ça peut générer, peut-être le stress, la peur d'engager quelque chose de nouveau. On est sur le chiffre 1, donc c'est la nouveauté, un nouveau cycle, peut-être un nouveau boulot, une nouvelle situation, n'importe quoi de nouveau, hein, qui peut générer du stress. Et du coup, perdre un peu ce pouvoir-là en se demandant, ah là là, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Ah là là, mais enfin voilà, non, 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 non. On évite en tout cas de rentrer dans ces énergies-là. Hein. On vous invite vraiment à s'ancrer, à passer à l'action et d'être dans l'ici et le maintenant. Ce qui est intéressant aussi, c'est avec ces petits messages-là, c'est qu'on voit aime sans condition, apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Il y a aussi l'idée de se rappeler que on peut chercher du soutien chez les personnes qui sont là autour de nous. Hein. Il y a l'idée de ça, que vous pouvez vous appuyer sur les personnes qui sont autour de vous et qui peuvent justement vous rassurer. J'ai vraiment cette sensation, le besoin d'être rassurée. Je ne sais pas, on va voir. Alors, pour l'état d'esprit des poissons pour le mois d'octobre. Alors, il y a une certaine impatience. D'une certaine manière, il y a une certaine impatience ici. L'objectif est bien dessiné. Donc, vous avez un objectif en vue. Hein. Vous savez où vous voulez aller. Il n'y a pas de souci. Vous y allez d'ailleurs. Hein. Vous avez scellé votre lapin ici. Hein. C'est un lapin. C'est pas un cheval. Non. Vous avez scellé votre lapin et vous voulez y aller. Mais voilà, donc votre état d'esprit, c'est que vous avancez à fond, vous êtes à fond dans votre projet, dans votre nouvelle envie, nouveau départ, de manière hyper positive en plus. Hein, ça, c'est chouette. Hein. Il y a vraiment une envie d'être rayonnant. C'est chouette, hein, les poissons, ils vont rayonner ce mois-ci. Hein. Il y a vraiment l'idée de vouloir montrer le meilleur de soi-même. Hein. Vous voulez vous montrer le meilleur de vous-même, vous mettre en action. Ouais, de bouger. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. En tout cas, vous le souhaitez fortement. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Oups. Alors, le conseil. Avec cette carte du 6 de la cour d'automne ici, c'est une carte qui parle de soins. C'est une carte qui parle de ralentissement, effectivement, de se poser 2 minutes, de faire le point un petit peu, de regarder les choses qu'on pourrait soigner, les choses qu'on pourrait réparer éventuellement. Il y a l'idée aussi de se ressourcer, hein, de prendre le temps pour de faire le plein d'énergie, le plein pour ceux qui n'ont pas pu prendre de vacances ou je sais pas, il y a l'idée de prendre un petit week-end, de se reposer. Hein. Il y a l'idée de se reposer, ouais. De prendre soin de soi. Voilà, c'est ça. Prenez soin de vous. On vous conseille également de vous exprimer de manière claire et directe. Ne tournez pas autour du pot. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais c'est ça. C'est vraiment l'idée de s'exprimer clairement, d'aller un petit peu droit au but. Hein. D'exprimer d'ailleurs vos souhaits, vos... Qu'est-ce... Voilà. D'exprimer vraiment vos... vos envies, tout simplement. Vous souhaitez être dans ce 10 de la cour d'été, c'est-à-dire être heureux. Et pouvoir partager votre bonheur avec les autres. Voilà. Donc là, en fait, il y a une idée de partage, de quelque chose de vraiment qui vous remplit de joie. Vous êtes rempli. Vraiment. Et là, on vous invite vraiment à l'exprimer, ça. Exprimez vos émotions. Voilà. Exprimez ce qui vous fait vibrer. Exprimez vraiment ce qui vous rend heureux. Ouais, il y a cette idée-là. C'est très positif. Alors,
Alors, ce qu'on vous déconseille ici, avec cette carte du messager de la cour d'automne, on est plutôt sur l'observation, effectivement. Mais ce personnage, on voit bien qu'il ne passe pas à l'action, lui. Lui, il est là, il apprend, il observe, il prend des notes, il prend son temps aussi, hein, voilà, bon, ok, mais il bouge pas. Donc en fait, ce qu'on va vous déconseiller ce mois-ci, c'est de rester sans bouger un petit peu, hein. Il y a l'idée d'y aller, quoi. Il faut y aller, il faut passer à l'action. À côté de ça, par contre, on a le 10 de la cour de printemps qui, là, on me parle de surmenage. Donc, il y a un petit peu entre ne rien faire, observer et de laisser le temps passer et être trop dans l'action et dans le surmenage. Bon, il va falloir équilibrer un petit peu les choses. Hein. C'est soit tout l'un ou tout l'autre. Mais et là, non, il faut tempérer. Hein. Là, il faut... On souffle, on tempère, on fait le tri un petit peu dans toutes les actions là, qui nous prennent la tête. Et puis, on redéfinit un petit peu les priorités. Voilà. J'ai vraiment la sensation que c'est ça. Il faut redéfinir ses priorités. Je pense qu'on a assez étudié. On sait ce qu'on veut. Hein. De toute façon, maintenant, ça y est. Vous savez ce que vous voulez. Mais ne vous surchargez pas de stress, de quelque chose de supplémentaire. Hein. Ouais. Et surtout, ne vous comparez pas aux autres. Ce qui me vient tout de suite, c'est ça. Là, on est dans la carte du 5 de la cour d'automne, on est dans la carte des manques. On a l'impression qu'on manque de quelque chose. Ça peut être la peur de manquer, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de quelque chose de reconnaissance aussi. Hein, le manque de reconnaissance, hein, ça affaiblit drôlement. Et puis surtout, de se comparer aux autres. Qu'est-ce que je n'ai pas que eux ils ont, ou qu'est-ce que eux ils ont que je n'ai pas. Et du coup, on se sent complètement à l'écart. Mais ça, c'est une croyance limitante, ça aussi. Donc là, il va falloir vraiment se stabiliser au niveau émotionnel, se stabiliser au niveau du mental et passer à l'action, mais pas non plus de manière démesurée. Faites les choses de façon progressive, voilà. Ne pas se lancer dans quelque chose qui pourrait vous demander de travailler 14 heures par jour et qui vous épuiserait. Non, c'est pas juste pour vous, du tout. Juste, c'est pas du tout équilibré, ça va pas du tout. Donc il faut, voilà, on vous déconseille d'être dans ces énergies-là, d'aller trop dans l'extrême, c'est-à-dire soit de ne pas décider de rentrer dans l'action, ou soit au contraire d'être trop dans l'action et du coup de s'épuiser inutilement. Et surtout de ne pas se comparer aux autres. C'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux ici. Vous allez vous sentir... Ça peut être la blessure de rejet, ça aussi. Hein. La blessure d'abandon, la blessure de rejet, hein, qui refait surface. Hein. Attention. Ne vous laissez pas happer par ces énergies-là. Hein. Surtout pas. Bien. Quel va être le déroulé? Alors, qu'est-ce qui risque de se passer ce mois-ci? Eh ben oui, alors ce mois-ci, ici nous avons le 10 de la cour d'automne. Alors ça rejoint un petit peu la petite carte de aime sans condition, apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Ici on est dans les liens de l'entourage, voilà, les choses qui sécurisent, ce qu'on a pu arriver à mettre en place une certaine stabilité, une sécurité, que ce soit relationnel ou que ce soit matériel, peu importe, mais il y a vraiment la notion de savoir qu'on peut compter les uns sur les autres, de savoir que si ça se passe mal, ben, je ne suis pas tout seul ou toute seule. Voilà, vous savez que vous pouvez compter sur vos amis, votre famille, les personnes les plus proches, les personnes que vous aimez et qui vous aiment. Forcément. Donc en fait, il y a l'idée de sécurité ici avec cette carte-là. Et il y a l'idée aussi de trouver un équilibre. Donc ce mois d'octobre-là, ça va être ok, je passe à l'action, mais on y va à tâtons. Il va falloir trouver un équilibre entre la passivité, je dirais, et le burn-out. Les deux extrêmes, quoi. Donc voilà, il va falloir trouver ça. L'équilibre, pas évident. Tout en ayant confiance en soi et en défendant ses convictions.
très difficile, hein. Donc ici, ça rejoint la carte de la confiance en soi. De s'imposer un petit peu, hein, de s'imposer un petit peu aux yeux des autres et de dire, bon, bah voilà, moi j'ai un projet, je me lance, ok, j'essaie de trouver un équilibre, mais je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui est juste pour moi et je fais ce que j'ai envie. Voilà, en gros, c'est ça. Hein. Et ne pas se soucier surtout de ce que pensent les autres. Évitez de rentrer dans ce jeu-là. C'est vraiment les conseils qu'on vous donne ce mois-ci, c'est ça. Hein. Vous avez un projet, vous passez à l'action, génial, mais trouvez vraiment un équilibre. Surtout, ne vous laissez pas influencer, imposez-vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez vraiment... ne vous laissez pas manipuler non plus par vos vieilles blessures ici. Les blessures de manque, la peur du manque, de manquer d'argent, de manquer de plein de choses. Vous êtes en sécurité, vous savez que vous n'êtes pas toute seule ou tout seul. Prenez conscience de ça, d'accord? C'est génial. Je suis poisson, donc je trouve ça génial. Voilà, donc on va aller voir un petit peu les conseils. Alors, les portes de l'intuition. Quels sont les conseils? D'accord, ok. Alors, j'ai eu le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà, alors là tout de suite ça résonne avec la carte du magicien et du miroir. Le magicien, il est capable de transformer, de faire d'une situation qui peut paraître négative dans un premier sens, dans un premier temps, pardon, pour en faire quelque chose de positif. Vraiment, il a la capacité de transmuter les choses de manière... voilà, de manière utile, je dirais, et surtout avec sagesse et avec, avec, voilà, avec quelque chose de vraiment, de créer quelque chose de stable, de positif. Et du coup, ça, ce pouvoir-là, on le perd un petit peu pour ce mois d'octobre. C'est comme si vous avez un petit peu perdu votre confiance en vous, la confiance un petit peu en la vie aussi, de se dire que ben ouais, mais peut-être que les gens là-bas, qu'est-ce qu'ils vont penser, ou on va me juger, oui, oui, mais c'est pas grave, peu importe, peu importe. De toute façon, voilà. Et cette carte-là, c'est ce qu'elle vous dit. Elle dit que vous allez pouvoir retrouver votre confiance en vous, votre pouvoir justement, à votre détermination et votre pouvoir de transmuter les choses, de transmuter le négatif en positif. C'est ce qu'on vous dit ici, avec cette carte-là. Donc, il est question pour ce mois d'octobre de reprendre notre pouvoir et de retrouver sa confiance en soi. Très important. Et de passer à l'action aussi. Alors, l'oracle de l'âme à âme. Et ben voilà, la magie des présents. Elle est très jolie cette carte, elle est très douce. Donc là, ça parle effectivement des cadeaux de la vie. Hein. Là, ce mois-ci, il va être question de synchronicité, de choses qui se débloquent comme par magie. Hein. Et voilà, d'avoir droit à des petits cadeaux de la vie. Donc on va vous montrer sur votre chemin, un petit peu comme des cailloux là. On va vous baliser votre chemin en fait. Il va y avoir des signes, il va y avoir des choses, des ouvertures, des petits cadeaux de la vie comme ça qui vont se manifester et vous aider aussi à reprendre confiance en vous et à reprendre votre pouvoir. Ouais, elle est super jolie cette carte. Magnifique. Voilà, mais j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez.
Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.